On est très honoré que le club de Saint-Omer ait atteint les 32e de finale de la Coupe de France. En ce début d'année, on va faire le vœu que Saint-Omer atteigne le 16e de finale de la Coupe de France et batte le club de Dunkerque. Franchement, on est vraiment très fiers d'eux. Ils ont fait un trop bon parcours, donc j'espère par la suite qu'ils vont vraiment réussir et puis qu'ils vont gagner. Donc à la Saint-Omer. La Coupe de France, c'est magique. C'est symbolique d'avoir cette coupe-là avec toute l'équipe, c'est un beau moment. C'est une bonne expérience à vivre au moins une fois dans sa petite carrière de footballeur. C'est une expérience incroyable qui permet de vivre des super émotions, donc franchement c'est que du bonheur, donc on espère que ça va continuer. C'est une compétition magique, hein, c'est un rêve. Hein. C'est ça qui est beau parce qu'après ça reste le sport et tout est possible. Le football, c'est ça, c'est donner de la joie. On sait qu'il y a une attente toute particulière. On sait que les gens aiment la Coupe de France, particulièrement dans l'Audomarois. Donc les gens attendent le match avec impatience. En plus, on est le petit poussé officiel de la compétition. Donc on est ravis d'être là. Les valeurs du club sont les mêmes que celles des mousquetaires. Le collectif, et c'est ce qu'on retrouve dans cette équipe de Saint-Omer.